bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du mardi 19 janvier. Au sommaire, ce soir, opération de dépistage ce matin dans un lycée de Bordeaux. Ce sont plus de 100 enseignants et personnels des établissements scolaires alentours qui ont été testés. Une trentaine d'intermittents du spectacle ont manifesté ce midi à Bordeaux devant la région pour réclamer la reprise de leur activité et le soutien de la région. Des épurateurs d'air capables de détruire le virus de la Covid-19, c'est ce que propose une entreprise de Villeneuve-d'Ornon en Gironde et notamment aux EHPAD. Et puis demain, c'est le premier jour des soldes d'hiver, retardés cette année pour cause de crise sanitaire. Nous en parlerons avec notre invité Christian Baulm, président entre autres de la Ronde des quartiers de Bordeaux. On jette d'abord un coup d'œil à la météo de demain après-midi. La région, vous le voyez, sera partagée entre pluie au nord, nuages au sud et soleil à l'est. Du côté des températures, elles sont assez douces, 11 degrés au nord et 15 à Bayonne. Depuis le 9 décembre, une campagne de dépistage en milieu scolaire à l'attention du personnel éducatif a lieu dans l'Académie de Bordeaux. Plus de 1000 tests ont été effectués depuis son lancement. L'opération s'est poursuivie ce matin au lycée Condorcet en présence de la rectrice. L'occasion de faire un premier bilan. Jules Bedeau. Opération dépistage au lycée Condorcet, où la salle polyvalente est devenue un centre de tests pour la journée. Je vais vous demander de vous avancer, mes collègues vont vous accueillir là-bas pour le prélèvement. Merci beaucoup. Merci. Le personnel de l'enseignement éducatif était appelé à se faire tester. Pour toucher toutes les personnes travaillant dans le milieu scolaire, la campagne est mobile. Plus de 1000 tests ont été réalisés dans l'Académie de Bordeaux depuis le lancement du dépistage en milieu scolaire le 9 décembre. Jusqu'à présent, l'ensemble des tests ont été négatifs. Je rappelle que dans notre académie, nous sommes à moins de 1% de classes fermées, de personnel ou de élèves positifs. Mais nous sommes extrêmement vigilants. Ça s'ajoute au protocole sanitaire qui lui-même est tout à fait strictement appliqué. Et jusqu'à présent, ça nous permet vraiment que les élèves continuent leur apprentissage soit en classe. Pour certains, ces tests sont un moyen d'assurer leur quotidien en toute sérénité. Sachant que j'espère que je vais avoir un résultat négatif, ça me permettra de me mouvoir encore plus facilement dans l'établissement sans avoir d'arrière-pensée. Pour d'autres, pas d'arrière-pensée, le virus et les tests font désormais partie de la vie de tous les jours. Honnêtement, une fois qu'on est dans le travail, on n'y pense plus. Enfin, c'est quelque chose qui est devenu une habitude et on n'est pas oppressé par cette idée en permanence. Dès jeudi, ce seront les élèves de l'Académie de Bordeaux qui auront la possibilité de se faire dépister. Une trentaine de professionnels permanents ou intermittents du monde du spectacle, du cinéma ou de l'audiovisuel ont manifesté ce midi devant l'hôtel de région à Bordeaux à l'appel de la CGT Spectacle. La plupart, bien sûr, ne peuvent plus exercer leurs activités depuis mars. Et aujourd'hui, eh bien, ils réclament le droit de travailler. Ils sollicitent le soutien de la région. Écoutez. On a entendu récemment que M. Rousset a proposé la région Nouvelle-Aquitaine comme région test d'ouverture des salles de spectacle. Ben voilà, nous on est prêts. Hein. On a eu le COREPS, qui est le comité régional du spectacle, qui est une instance de concertation régionale. Et on avait justement la dernière réunion, la semaine dernière, qui était principalement sur les enjeux sanitaires dans le milieu du spectacle et dans la culture. On a fait des propositions à la ministre de la Culture, donc à l'État, et ces propositions n'ont pas du tout été écoutées. Ça fait 2 mois, même un peu plus de 2 mois, et pour l'instant, aucune réponse. Donc, en fait, on est devant l'hôtel de région pour solliciter l'assistance de la région, pour que la région fasse entendre sa voix et pèse à nos côtés. Avec la crise sanitaire, assainir notre environnement est devenu une véritable obsession, voire un casse-tête. À Villeneuve-d'Ornon, une entreprise spécialisée dans le traitement de l'air a conçu des épurateurs capables de détruire le virus dans l'air. Reconnus par le plus grand laboratoire français, ces épurateurs sont notamment vendus à des EHPAD. Une innovation que nous présente Bénédicte Dohain. Installé au centre d'un bureau, cet épurateur purifie l'air et détruit les virus grâce à l'utilisation de rayons ultraviolets, une technologie qui révolutionne la décontamination.
Cet appareil a été testé contre le coronavirus humain et un laboratoire français, le plus grand laboratoire français même, a reconnu la destruction de 98,65% du coronavirus en 180 secondes de traitement seulement. Donc c'est très important parce que ça permet au moins d'arrêter cette course à la peur aujourd'hui qui effraie un petit peu tout le monde et toutes les entreprises. Capable de filtrer jusqu'à 138 mètres cubes d'air par heure, l'épurateur est aujourd'hui adopté par certains EHPAD et cabinets médicaux, un objet devenu indispensable. On a déjà vendu plus de 30 appareils, on a une dizaine de commandes en cours, on a progressé notre chiffre d'affaires de 700 000 euros cette année en 2020, en grâce à partie de cet appareil et d'autres. Donc on a aussi un appareil, un climatiseur qui est purificateur d'air. Donc tous ces nouveaux produits nous ont permis de développer notre chiffre d'affaires en 2020 et j'espère qu'il continuera même en 2021 parce qu'il y a une vraie demande sur ce produit-là aujourd'hui. Autre innovation qui risque de révolutionner le domaine de l'entretien, ce désinfecteur à lampe UV efficace contre les virus, germes et bactéries. Les maires de la rive droite réclament l'ouverture d'un deuxième centre de vaccination à ce nom. Celui existant à Florac ne suffisant pas selon eux. Écoutez. On a décidé donc de l'organisation de la vaccination sur nos territoires. On nous avait parlé, donc, et ça a été fait, de la clinique du Tondu à Florac. Mais un seul centre pour plus de 100 000 habitants, c'est insuffisant. Avait été évoqué la polyclinique rive droite, nous demandant à ce que ce deuxième centre soit validé et actif, parce qu'aujourd'hui, la situation nécessite qu'on soit efficace collectivement pour lutter contre ce fléau que représente le Covid-19. Les maires de Bassins, Floirac, Lormont et Senon s'étaient réunis cet après-midi aussi sur le thème de l'insécurité suite à une hausse de la violence dans leur commune depuis le confinement. Ils lancent collectivement un appel à l'État pour qu'il rétablisse une police de proximité dans les quartiers prioritaires. Aujourd'hui, un certain nombre de faits nous amènent à réagir puisque notre population est en souffrance. D'une part, évidemment, comme tout le monde, nous supportons parce que c'est nécessaire. Toutes les restrictions qui sont liées donc à cette pandémie, mais ça a coupé la population d'un certain nombre de choses et donc on subit aujourd'hui des exactions qui viennent s'ajouter à ce climat, notamment des tirs de feux d'artifice, de mortiers, de manière assez régulière, tous les soirs, et qui sont en train d'user notre population. On continue évidemment de développer notre système de vidéoprotection, mais on a besoin de la police nationale à nos côtés. On souhaite qu'une véritable police de proximité puisse venir accompagner nos initiatives. On ne pourra pas faire à la place tout seul. On continuera à faire avec, mais pas tout seul. Et puis un hommage poignant a été rendu aujourd'hui à Lionel, ce jeune garçon de 16 ans tué par balle aux Aubiers le 2 janvier dernier lors d'une fusillade. Ses camarades, vous le voyez, se sont réunis dans la cour du lycée professionnel des Chartrons où Lionel était scolarisé en seconde pour lui rendre hommage. Le département du Lot-et-Garonne est lui aussi touché par le H5N8. Un premier foyer de grippe aviaire a été détecté hier soir dans une exploitation à Sainte-Maure-de-Périac. Conséquence, ce sont 8000 canards qui devaient être abattus ce mardi. Et au total, on compte plus de 300 foyers dans le sud-ouest. Le département des Landes est le plus lourdement touché avec 243 foyers. On découvre qu'il y aura la une de Sud-Ouest demain. Un dossier spécial Sud-Ouest répond à toutes les questions des lecteurs sur la vaccination. Retard, risque, stratégie, plus de 100 questions ont été reçues par le journal qui a sollicité les experts pour y répondre. Autre sujet, avant l'investiture de Joe Biden, Sud-Ouest a cherché à savoir ce qu'il restera de positif de la présidence Trump et de comment aussi la cérémonie va se dérouler ce mercredi. Enfin, votre journal vous racontera cette incroyable imbroglio, un couple de Girondins qui a acheté un appartement sur plan à Arcachon, mais le chantier est à l'arrêt depuis 11 ans. La Gironde donne des véhicules aux associations. Depuis quelques années, le département a en effet décidé de céder ses véhicules à des associations d'insertion à l'occasion du renouvellement de son parc. Au total, 13 véhicules ont ainsi été cédés pour une valeur de plus de 42 000 euros et bientôt aussi 300 vélos. Mercredi dernier, les clés de deux nouvelles voitures ont été remises aux associations Aspeoreca et GEC Industrie Technologie Aquitaine à Bruges. Nous avons au département un parc de véhicules qui est relativement important et qui, au bout de quelques années, acquiert un peu de kilomètres. Ces véhicules ne sont pas perdus pour autant, mais nous procédons à leur remplacement au sein du parc routier départemental.
Et l'idée, c'est d'en faire bénéficier des associations d'insertion qui peuvent en avoir besoin pour le déplacement de leurs salariés ou pour le déplacement des personnes qui sont en situation d'insertion. Et donc, c'est quelque part un geste complémentaire. Ce sont souvent des associations que nous finançons, mais c'est un geste complémentaire qui leur permet d'avoir un outil de déplacement. La mobilité, on le sait, est souvent un frein pour l'insertion. Eh bien, ce véhicule permet à ce moment-là des personnes de trouver du travail ou d'être amenées jusqu'à leur employeur pour pouvoir s'insérer professionnellement. Très, très satisfaite de cette initiative et de ce cadeau. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup de salariés en difficulté pour pouvoir les mettre en emploi. Donc ça aide mes entreprises adhérentes et mes salariés. Voilà, c'est la fin de cette édition. Retrouvez à 19h tout le sport avec cette semaine un gros plan sur le sport au féminin. Et vous le verrez, même si ça a bien sûr évolué, il est toujours aussi difficile de jouer au foot quand on est une femme en France. Machisme quand tu nous tiens. Et puis vous retrouverez bien sûr l'info sur TV7 demain avec la matinale de Raphaël Horenbuch et cela dès 7h. Passez une très bonne soirée et on retrouve tout à l'heure notre invitée.